Bonjour. À Chypre, un mage, Elymas, prodigue avec bonheur ses conseils au proconsul romain, un païen taraudé par les questions religieuses. Les Romains de haut rang aimaient s'entourer de philosophes ou d'astrologues privés, empreints de sagesse orientale et de pseudo-sciences. Ils leur accordaient même un statut officiel. Rien d'étonnant. Dans un monde religieux comme celui de l'Antiquité, la magie tient une grande place. Dans un monde désorienté comme le nôtre, les prétendus philosophes sont aussi très écoutés, surtout s'ils sont beaux parleurs. Elymas assiste à l'audience que le proconsul accorde à Paul et à Barnabé. Il s'oppose à eux frontalement, cherchant à détourner le proconsul, littéralement à le tordre, afin de l'empêcher d'adhérer à l'Évangile. Mais Paul démasque ce personnage prétentieux et fourbe. Celui-ci n'est que ruse et fraude, deux attitudes condamnées par la morale hellénistique. Elymas n'a rien à voir avec l'homme aux mille ruses. Dans le cas d'Ulysse, la ruse est expression de son intelligence. Dans le cas d'Elymas, elle n'est que tromperie. Elymas se targue d'être un envoyé de Dieu. Il se fait même appeler Bar Yeshua, ce qui veut dire « fils du Sauveur ». Il entrave l'annonce de l'Évangile par des discours aussi brillants que creux et obscurs. Il est en fait fils du diable, fils du diviseur. Paul rend publique la façon dont le mage utilise le sentiment religieux pour manipuler ceux qui l'écoutent. Elymas s'ingénie à rendre tortueuses les voies droites du Seigneur. Il est l'exact contraire de Jean le Baptiste, dont la vocation consiste à préparer les chemins du Seigneur et à rendre droit ses sentiers. Lui qui veut faire le prophète est la proie de son savoir illusoire et absurde. Sous le regard de Paul qui le fixe, il perd la vue. Elymas, qui se targue de lire dans les astres, est soudain plongé dans l'obscurité la plus totale. Désorienté, il se met à tournoyer en tous sens, tel un fétu de paille. Et paradoxe, le guide a besoin d'être conduit. Un clin d'œil ironique aux initiations des cultes à mystère. Elymas est semblable aux manipulateurs et abuseurs d'hier et d'aujourd'hui, qui emportent dans leur sillage désaxé ceux qui succombent à leur discours. Elymas, l'imposteur, caricature de la religion et de la sagesse, à laquelle Paul, l'apôtre du Christ Jésus, oppose la force vivifiante et libérante de l'Évangile. À bientôt !